with a suitcase in my hand. I had to leave. Knew they wouldn't understand. When you know, you know. When you know, you know. It's time to go. When you know, you know, then the more you know, it's time to go. Oui, j'ai ouvert cette vidéo avec la musique Paris, Texas de Lana Del Rey sur des images de Paris, Texas de Wim Wenders. Je n'ai aucune honte et la subtilité, et moi, ça fait deux. Tout l'inverse du film dont je veux vous parler aujourd'hui et qui m'a profondément marqué. Paris, Texas, je pense que c'est le film de cinéphile par excellence. Pas forcément connu par tout le monde, mais un incontournable dès que l'on s'intéresse au cinéma. Il naît de la rencontre entre deux auteurs. Wim Wenders, réalisateur germanique représentant du mouvement cinématographique simplement intitulé Nouveau Cinéma Allemand, Paris, Texas est souvent considéré comme son magnum opus, mais il a une carrière bien remplie avec notamment Wings of Desire et ses travaux documentaires à partir des années 2000, Buena Vista Social Club, Pina ou Le Sel de la Terre. Et l'autre pièce maîtresse, Sam Shepard, tout simplement le metteur en scène américain le plus doué de sa génération selon New York Magazine. Les plus cinéphiles d'entre vous le connaissent sûrement pour son rôle dans Les Moissons du Ciel de Terrence Malick, mais les vrais passionnés de cinéma l'auront reconnu comme le père de Ryan Gosling dans The Notebook. Pour les plus people d'entre vous, ce fut le partenaire de Jessica Lange pendant 27 ans jusqu'à leur séparation en 2009. Cette anecdote sur sa vie a son importance, retenez-la. Originalement, Wenders avait fait une première ébauche d'adaptation de Motel Chronicles, un roman de Sam Shepard. Shepard a ensuite repris l'écriture de ce qui est ensuite devenu Paris, Texas. Cependant, il fut occupé par le tournage de Country avec Jessica Lange et c'est Lewis Minor Carson ou LM Kit Carson pour les intimes qui mit les touches finales au script. Outre le fait d'être le père de Hunter Carson, le petit Hunter de Paris, Texas, c'est aussi une figure mineure du cinéma avec quand même à son actif le fait d'avoir aidé trois jeunes à créer un court-métrage puis un long du nom de Bottle Rocket. Il a un peu lancé la carrière de Wes Anderson et Luke et Owen Wilson. Rien que ça. Mais je m'égare un peu. Initialement, Shepard avait deux idées en tête pour la seconde partie du film qui font très film, je vois pas comment le dire autrement. Ce qui fait la force de Paris, Texas, c'est cette réalité douce amère, un peu loin des deux possibilités proposées initialement. Dans une des versions, le père de Jane est un mania du pétrole qui utilise ses hommes de main pour faire tabasser Travis et enlever Jane dans un penthouse à Houston. Dans l'autre, la mère de Jane est sous l'emprise d'un télévangéliste qui utilise ses hommes de main pour faire tabasser Travis et enlever Jane dans une maison close. Heureusement pour nous, Carson détestait les deux versions et on a abouti à celle que l'on connaît aujourd'hui. Travis et Jane sont responsables de la séparation de leur famille, ils se sont infligés ça à eux-mêmes. Je le mentionne aussi parce que ça fait toujours plaisir, surtout pour un film culte comme celui-ci, le film est bourré de Français dans ses équipes. On retrouve parmi les producteurs Anatole Domand, qui est derrière Hiroshima Mon Amour, La Jetée, l'année dernière à Marine Bad ou La Planète Sauvage entre autres. En charge du son, on a Jean-Paul Mugel qui a quelques bangers derrière lui aussi. Mais surtout, les assistantes caméra et réalisatrices ne sont autres que respectivement Agnès Godard et Claire Denis, qui développent un duo créatif qui dure depuis au moins 30 ans maintenant. Godard étant la chef opératrice principale de Claire Denis sur ses réalisations. La majorité du métrage est tournée au Texas. Wim Wenders avait initialement envisagé de filmer un road trip dans l'ensemble des États-Unis, mais c'est Sam Shepard qui l'a persuadé, lui indiquant que l'on peut trouver toute l'Amérique encapsulée dans l'état du Texas. Et le film le lui rend bien. Des plaines désertiques du début où l'on rencontre Travis au néon des villes par lesquelles Travis et Walt traversent, en passant par le charme urbain de Houston, le film est magnifique. Robbie Muller, le directeur de la photographie, s'est levé un jour et s'est dit « je vais juste encapsuler les plus belles couleurs de tous les temps sur de la pellicule ». Et c'est pas rien quand on connaît l'étendue de sa filmographie. Vous savez quoi? On se refait une séquence contemplative juste pour le plaisir des yeux pour l'un des plus grands maîtres du cinéma. Thank you.
le film avec le personnage de Travis. Il est débraillé, les vêtements en lambeaux et il erre dans le désert sans but apparent. Il est interprété par Harry Dean Stanton, le maître des rôles de mec qu'on pourrait croiser dans la rue tous les jours, le genre de gueule qu'on ne voit plus au cinéma maintenant. A titre d'exemple, il fait partie de l'équipage du Nostromo dans Alien, le casting de col bleu le plus crédible de l'histoire. Travis, c'est son personnage préféré dans sa filmographie. Et a raison, il le joue avec un incroyable pathos, un fantôme abîmé par la vie où toutes les émotions se distinguent dans ses yeux. Son retour à la civilisation est brutal. Il s'écroule dans un café au bord de la route et un docteur peu scrupuleux parvient à contacter son frère Walt, interprété par Dean Stockwell. Walter retrouve son frère changé, il est mutique et se comporte tel un enfant. Ses premiers mots sont « Paris ». Il raconte à son frère que Paris, Texas, est l'endroit où leurs parents ont fait l'amour pour la première fois. Que c'est donc d'ici qu'il vient, ici qu'il a été conçu. Il a acheté un terrain vague à cet endroit, pensant que c'était à la fois d'ici qu'il venait, et là qu'il pourrait construire son foyer. Son passé nous est révélé petit à petit, cela fait 4 ans que Travis avait disparu, laissant derrière lui sa famille. Walt et sa femme Anne, interprétées par Aurore Clément, ont recueilli son fils Hunter. Personne ne sait où est sa femme Jane. Ce moment qui intervient assez tôt est une des clés du film. On ne verra jamais la ville de Paris autrement que par cette photo froissée qu'a gardée le personnage principal. Pourtant, c'est le titre du métrage. Paris cristallise les tensions. Générationnel, par exemple, dans l'envie de Travis de ne jamais ressembler à son père. Plus tard, il raconte à Hunter comment son père disait à qui voulait l'entendre qu'il avait rencontré sa femme à Paris, avant d'ajouter Texas après une pause, humiliant sa femme par la même occasion. Big joke, but he started telling everybody all the time. Finally, it wasn't a joke anymore. He started believing it. Paris est le passé de Travis, celui dont il ne peut pas échapper et ce rêve d'un futur possible qui va l'animer par la suite. Une image, aussi illusoire soit-elle. Cette ambivalence entre image et réel est prégnante pendant toute cette première moitié. Les néons diffus sur les routes comme des mirages, Travis professant son attrait pour les billboards, ses panneaux d'affichage promettant monts et merveilles. La scène où Travis est confronté pour la première fois à son image dans le miroir dans son motel room typiquement américain et s'enfuit, n'étant pas prêt à faire face à lui-même. Ou cette scène improvisée par Harry Dean Stanton et Socorro Valdez. Travis est en train de feuilleter un magazine et demande à la femme de ménage de Walt à quoi ressemble un père. Il choisit de ressembler à un père riche et la scène où il raccompagne Hunter de l'école serait potentiellement la meilleure scène du film s'il n'y avait pas... Bon, ceux qui savent, savent. Père et fils commencent à de nouveau agir comme tels, Hunter imite les mouvements de Travis comme un miroir, et Travis trouve de la joie dans cette imitation. Et bon, pour revenir à la scène, je pense qu'on fait pas plus explicite sur le thème de l'illusion et de la projection. Tout le segment se passant à LA fait partie de mes instants de cinéma favoris. Au terme du voyage des deux frères, Travis se retrouve réintégré à la famille formée par Walt, Anne et Hunter. Et cette réintégration me permet d'évoquer un des éléments incroyables du film, son utilisation de la couleur. Pendant toute la durée de celui-ci, on a deux palettes qui s'opposent, le bleu-blanc-rouge contre le vert. C'est présent dès l'ouverture du film avec la casquette rouge de Travis, sa chemise blanche et derrière lui le ciel bleu. Et tout son parcours de retour à la civilisation avec Walt est imprégné de manière délibérée de ces couleurs. C'est frappant. Mes notions en théorie de la couleur ne sont pas hyper avancées, mais on est quand même sur une utilisation des couleurs du drapeau américain assez marquée pour montrer la stabilité. On est en plein dans cette recherche du rêve américain qui échappe à Travis, et particulièrement dans le segment à Los Angeles, la palette de couleurs pour représenter le foyer formé par Walt, Anne et Hunter, c'est du bleu-blanc-rouge en veux-tu, en voilà. Il y a cette scène en particulier où tous les accessoires, les vêtements évoquent ces couleurs pour Hunter et Anne, mais Travis, qui vient en quelque sorte s'imiter dans cette paix familiale est entouré d'herbes vertes, le mettant en opposition avec Anne et Hunter par la suite. Le vert est utilisé en contraste avec l'autre motif. Il sert de rappel à la réalité face à ce rêve que représente le bleu, blanc, rouge. Dès l'ouverture, quand Travis échoue dans le cabinet du docteur, toute la salle est éclairée au néon vert. L'homme stoïque traversant le désert que l'on rencontre au début est en fait mutique, déshydraté, une coquille vide à la place d'un être humain. Chaque fois que les personnages se rapprochent de leur idéal, aux couleurs bleu, blanc, rouge, le rappel à l'ordre est toujours drapé de vert. Une autre scène marquante est celle où la famille se pose pour regarder d'anciennes images de vacances filmées en Super 8. Tout est idyllique et les couleurs sont là encore, bleu, blanc et rouge, représentation d'un souvenir parfait désormais bien lointain. On peut d'ailleurs voir que Travis seul porte du vert dans les
des images, préfigurant qu'il sera la cause de la rupture de cet idéal. Mais plus percutant encore, c'est la manière dont le verre est présent de manière insidieuse en arrière-plan, entourant les personnages lorsqu'ils regardent ces images. Personnages qui sont par ailleurs bien sûr en bleu, blanc et rouge. Cependant, la nostalgie ne peut pas cacher la réalité. Travis va finir par arborer lui-même ses couleurs et s'insérer de mieux en mieux dans la toile tissée par les plans de Wim Wenders au fur et à mesure que sa relation avec Hunter se renoue. Au fil de ce lien retrouvé, la paire se décide à se lancer à la recherche de la mère de Hunter et ex-femme de Travis, Jane. Leur road trip est, je vous le donne en mille, dans une belle voiture bleue métallisée alors que tous deux arborent des vêtements rouges. Et puis bon, à force je me tais, je vous laisse une nouvelle fois apprécier les images, vous me dites si vous remarquez des couleurs qui reviennent souvent. A noter que le seul moment où le nuancier n'est pas de ses couleurs, c'est quand Travis doit annoncer ses intentions de réunir Hunter avec sa mère à Walt et Anne. Une scène poignante où le couple doit se résoudre à accepter la fin de cette réalité idyllique qui fut un jour la leur. Travis et Hunter réussissent à retrouver Jane et elle travaille désormais dans un peep show. J'imagine que vous connaissez ce plan assez iconique, mais c'est un réel accomplissement. Travis fait face à Jane pour la première fois depuis de nombreuses années, mais indirectement car ils sont séparés par un miroir sans teint. C'est Robbie Muller, le chef op, qui a insisté pour en utiliser un vrai afin de séparer les acteurs. Nastassia Kinski étant dans la pièce à thème représentant un foyer, incapable de voir Harry Dean Stanton. Leur seule connexion, le téléphone pour Travis, les haut-parleurs pour Jane. Bon, je vous le fais pour la 50e fois, mais la pièce est évidemment teintée de rouge avec des murs blancs et une nuance de bleu. Et en termes de mirage et d'illusion, on fait pas beaucoup mieux qu'un miroir sans teint donnant sur un foyer factice habité par votre ex-femme. Tous les rêves et les attentes de Travis sont cristallisés dans cette scène. Et très vite, on peut entrevoir les raisons de sa séparation quand son tempérament jaloux refait surface. C'est à ce moment qu'il réalise que sa quête de retrouver sa famille était illusoire, que ses inadéquations sont plus profondes et cette rage en lui plus sévère. L'introspection dont fait preuve Travis fait de Paris, Texas un travail éminemment autobiographique. Certes, Wim Wenders et Kit Carson ont apporté leur touche, mais cette histoire, c'est avant tout celle de Sam Shepard. Disons que c'est pas l'homme le plus loquace du monde, mais que les réponses sur lui se trouvent dans ses œuvres. Sam et Travis ne font qu'un. C'est par petites touches qu'on le retrouve. La peur de l'avion, un père alcoolique, une mère malheureuse. Mais les réponses les plus évidentes se trouvent sans doute dans le documentaire Shepard and Dark. C'est une histoire d'amitié entre deux hommes. Johnny Dark, le meilleur ami de Shepard avec qui il a entretenu une relation épistolaire pendant toute sa vie, s'est marié à une femme plus âgée. Et Shepard s'est marié à la fille de cette femme, Olan Jones. Ils ont eu un enfant et ont vécu ensemble une quinzaine d'années. En 1983, Sam Shepard les quitte abruptement pour Jessica Lange. Je vous avais dit que ça avait son importance. Walter et Travis sont comme des miroirs de Dark et Shepard et de leur relation. D'après Dark, les dynamiques bon frère, mauvais frère dans les travaux de Shepard représentent un conflit au sein de Shepard lui-même. Il y a un moment très touchant dans le documentaire où Shepard se livre sur son père. I thought A had done my level best, done everything I possibly could not to become my father. Gone out of my way in every department, changed my name first and last, falsified my birth certificate. Deliberately walked and swung my arms in exact counterpoint to the way he had, picked out clothing the opposite of what he would have worn, right down to the underwear, spoke without any trace of a Midwestern twang, never kicked a dog in the ribs, never lost my temper over inanimate objects, never again listened to Bing Crosby after the Christmas of 1959, and never ever hit a woman in the face.
Ce rejet maladif de son père se retrouve dans Travis. Sam Shepard a imprégné son personnage de son propre sentiment d'égarement et d'inadéquation avec le monde et dans ses relations. Et je pense que c'est en partie ce qui rend l'acte final aussi percutant, par sa vérité d'un Sam Shepard demandant à la famille qu'il a brisée de comprendre l'homme derrière. À la croisée des chemins, alors qu'il est prêt à abandonner, Travis fournit un dernier effort pour se confronter à Jane, raconter la vérité de leur rupture et de ses failles en tant qu'homme. L'une des plus belles scènes du cinéma, les artifices tombent, plus de patterns bleu, blanc, rouge, de lumière néon illusoire, ici, rien que la vérité. Pour l'ensemble de ces scènes partagées dans le Peep Show, Kinski et Stanton ont appris l'intégralité de leurs dialogues par cœur. Ils voulaient tellement rendre hommage au texte de Shepard que si Stanton se trompait lors du monologue, il recommençait l'intégralité de la scène. Si la performance de Harry Dean Stanton est impressionnante, les réactions de Nastasia Kinski donnent le contrepoids nécessaire afin que le spectateur croie à la relation passée. Et encore une fois, le miroir sans teint qui la sépare de Harry Dean Stanton est réel pour l'actrice. Elle ne fait que réagir au son de sa voix. Son inclusion dans le casting n'est pas anodine. Contexte, à cette époque, elle enchaîne des rôles de nymphette ou de Lolita, et était donc très sexualisée à l'écran. D'après Wim Wenders, c'est pour cela que je me suis naturellement tourné vers elle pour le rôle, en parlant de Nastasia, et pourquoi je n'ai jamais eu de second choix. C'est en rapport avec le sous-texte du film qui est celui d'un homme imposant un certain idéal d'une femme dans ses pensées. Et mon sentiment était que Nastasia était tellement évidente pour ce rôle parce que le public s'attend à voir une certaine image d'elle qui a été fabriquée. Dans un sens, ils doivent passer par les mêmes émotions que Travis. C'est comme ça que l'idée du Peep Show est venue. Travis est assis devant un écran, et elle l'est à l'écran. Enfin, derrière celui-ci est l'objet de son imagination. J'ai suivi la carrière de Nastasia et vu ses films, et certains étaient douloureux pour moi, parce que je ressentais que je voyais quelqu'un de piégé. Il y a cette actrice talentueuse et elle est tellement exploitée à cause de l'image que les gens ont d'elle. C'est aussi une des raisons pour laquelle je l'ai castée, parce que je sentais qu'elle n'attendait que ça, de montrer une autre facette de son image, et elle l'a fait brillamment. Ouais, j'interromps juste vite fait cette partie pendant le montage, parce que Wim Wenders, dans un de ses premiers films Wrong Move, y a aussi le premier rôle de Nastasia Kinski à tout juste 12 ans, et à en croire certaines critiques, elle est pas mal sexualisée dedans. Donc cette déclaration sur son actrice, elle est belle, mais finalement je dirais qu'il a aussi sa part de responsabilité dans le portrait qui a été fait d'elle dans ses jeunes années d'actrice. Voilà, ce petit addendum me paraissait nécessaire. Avec les années, le message caché derrière le casting de Nastasia Kinski s'est quelque peu perdu. Mais la performance, elle, reste. Si au début elle reste une image, une chose qui attend d'être possédée par Travis, au fur et à mesure de la scène de confessionnal, Travis finit par la voir pour ce qu'elle est vraiment, et par la même occasion, il se voit vraiment pour la première fois lui aussi. Les derniers instants du film sont drapés de vert, la réalité a rattrapé nos personnages. Jane est réunie avec son fils, et Travis repart seul alors que le soleil se lève. Ce n'est pas pour autant que la fin est malheureuse. Travis repart avec la vérité qu'il cherchait sur sa famille, son passé et lui-même. Sa violence a détruit sa famille, mais il peut trouver du réconfort dans le fait qu'il arrête ici le cycle d'abus perpétué par son père. En cela, le film tranche dans la modernité de son personnage principal masculin et dans l'héritage filmographique de celui-ci. Parce que lorsque l'on rencontre Travis pour la première fois, c'est une entrée typique de héros de western. Seul, stoïque dans le désert. Roger Ebert, et ce n'est pas le seul, avait noté une certaine filiation entre Travis Anderson et Ethan Edwards, le personnage interprété par John Wayne dans La Prisonnière du désert. Dans ces deux histoires, un héros se met en tête de sauver une jeune femme. Dans La Prisonnière du désert, l'ennemi est désigné, il s'agit d'Indiens dans la plus pure tradition du western. Et dans les deux films, on peut dire que la quête du personnage principal est mal avisée. Travis et Ethan ne comprennent pas le rôle de la femme qu'ils recherchent dans l'univers qui est le sien. Mais alors que La Prisonnière du désert répond plus classiquement au template du western, John Wayne retrouve finalement un foyer à la fin du film et s'en va dans le désert serein sous un soleil couchant, Travis a une fin plus tragique et subversive de cette situation attendue finalement. Si le silence stoïque d'Ethan Edwards est une réponse au monde qui l'entoure en défiance face aux menaces, celui de Travis est introspectif, celui d'un homme en proie au doute face à la violence qu'il se sait qu'à capable d'infliger. C'est un homme en guerre avec lui-même. En cela, Paris, Texas bouleverse l'archétype du héros masculin silencieux à la Clint Eastwood. Ce n'est pas un signe de force que Travis soit renfrogné dans le silence, mais un aveu de sa faiblesse et de ses défauts en tant qu'homme. C'est ce portrait de la masculinité qui rend le film aussi moderne selon moi. Et dans un dernier acte de subversion, Wim Wenders conclut son film sur un lever de soleil. Ce n'est pas la fin heureuse pour Travis, seulement un nouveau départ. Vers quoi ? On ne le saura jamais, mais dans un dernier acte d'altruisme, il a réuni mère et fils, quitte à être condamné
aéré pour toujours.